Vous avez même, je sais pas ce que c'est là dans le gros camion. Oh, ils ont peut-être des... Parce qu'en fin de compte, il faut qu'ils aient des munitions, hein. Une fois, il y avait une vidéo, j'ai vu quelqu'un qui avait filmé. Il y avait deux ou trois flics. Ils avaient des sacs de bandoulière un peu gris, pas gris, un peu comme dedans. D'ailleurs, des trucs, je ne sais pas ce qu'il y avait dedans, mais c'est comme des bandoulières un peu dans le temps de la guerre, un peu en tissu, là. Oui, en croisé, là, dans le dos. Oui, parce qu'il passe par Avenue de Villiers. On est des vedettes, hein, je vous le dis, moi. Ils ont peur que les terroristes nous attaquent, moi je vous le dis. On est samedi 18 janvier 2000. Ben, nous sommes l'acte 62 manifestation Gilets jaunes. Nous sommes sur l'avenue de Villiers. Nous allons rejoindre le début de la manif qui est partie de Porte de Champéry. Ah bah oui, c'est un peu ça. Hein. Je sais pas ce que c'est, ces camions. Bon, là-bas, il y a le camion pour les gardes à vue. Si, il y a sûrement des flics devant. Si, il y a des flics. Pour moi, il y a des flics. Regarde le gars qui est par terre là avec sa caméra. Il a pas peur. Oui, des fois ils freinent, on se demande bien pourquoi. Ben oui, ça c'est toujours la même chose, hein. Toujours. Thank you.
Samedi 18 janvier 2020. Acte 62, manifestation des Gilets jaunes commencée à Porte de Champéry. Là, nous avons eu la bouchon malé vers l'avenue de Villiers. Et là, nous sommes toujours avenue de Villiers. Même si Macron ne veut pas, nous prenons une sortie de la ligne 3. Nous allons vers Saint-Lazare, Trinité. Et après, on rejoint vers Gare de l'Est. Samedi 18 janvier 2020, acte 62. Garde à vous. Bon, c'est en même temps la manif des bleus, hein, je vous le dis, moi. On ne veut pas, les flics sont là. Et eux, ils ne veulent peut-être pas. Et Macron le veut. Pas du tout brave. Il protège pas le peuple. Non, il protège une oligarchie. Il
Et midi et quart. Samedi 18 janvier 2020. Nous sommes dans l'acte 62 manifestation des Gilets jaunes qui est parti de Porte de Champéret. Là, on est arrivé. Ouais, peut-être de Rome, métro-Rome, de région vers Trinité. Après, on va prendre tous les boulevards pour rejoindre Gare de l'Est et ensuite passer par quai de Valmy, canal Saint-Martin, pour rejoindre Bastille. Et ensuite, aller par la rue de Lyon, à Gare de Lyon. Midi et quart. On n'est pas fatigué. On est déjà passé à une manifestation des Gilets jaunes, on est déjà passé là. Faisons référendum. Ça traîne mon préférme de la retraite à point. Faisons un référendum pour l'ADP. Qui était si démocrate que ça, comme il dit ce piètre président. Le Macron, il nous parle ravi de l'écologie, ce petit con. Mais quand ils ont voté le fameux budget écolo, amputé 1 600 000 000, c'est salaud. Ah, un jour le ventre est sale, tout ça, mais ça. Il y a quelqu'un en haut, tout à fait au fond à gauche, qui met un drapeau français. Il y a à gauche, tout à fait en haut, là, à gauche, il y a quelqu'un qui s'est mis à la fenêtre avec un drapeau français. Ah oui.
Français veulent démission. Tu t'appelles Macron, t'as une tête de con. Oh Macron, tchao, Macron, tchao, Macron, tchao, tchao, tchao. Tu t'appelles Macron, t'as une tête de con. Tous les Français veulent démission. C'est surtout un piètre président, piètre état. La France n'est pas le pays des droits de l'homme et des citoyens. La France n'est même plus en démocratie. On doit se taire. Travaille, consomme et ferme ta gueule. Travaille, consomme et ferme ta gueule. C'est la Macronie. L'oligarchie financière. Prends l'argent, les Français, l'argent, les Français, l'argent, les Français. L'art avec ta fille, tu t'en vas. Les gilets jaunes sont là. Tu t'appelles Macron, t'as une tête de con. Tous les Français veulent un putain de démission. Tu t'appelles Macron, t'as une tête de con. Tous les Français veulent démission. Tu t'appelles Macron, t'as une tête de con. Oh Macron, ciao, Macron, ciao, Macron, ciao, ciao, ciao. Tu t'appelles Macron, de piètre président. Un piètre président. Éloigné de son peuple, oui. Il a, en fait, quand il n'a aucune empathie. Aucune empathie. Pour des dégâts matériels, oui. Et pour les éborgner, ceux qui ont eu la main arrachée, ceux qui ont été blessés, ceux qui sont morts, Guilhem Redouane, blessé gravement, Geneviève Le Guay, aucune. Samedi 18 janvier 2020, acte 62, manifestation Gilets jaunes, nous sommes du côté de Badram. Peut-être pas, non. Hôtel de Genève, non, peut-être pas. On va vers Trinité. Je vais m'en tirer.
Thank you.
voiture jaune. C'est RS. Président, dans un piètre état. La France n'est pas le pays des droits de l'homme et du citoyen. Non, on n'est plus en démocratie. Et pensez-y, on a des prisonniers politiques. Oui, prisonniers politiques. Si vous portez le gilet jaune, vous êtes considéré comme gilet jaune. Et tout ça, ça se paye un jour. On ne pardonne pas, on n'oublie pas. Destitution. Pardon.
président. On va te chercher partout où tu seras. Parce que tu refuses de parler, de rencontrer les Français, de rencontrer le peuple français. Parce que là, le débat, c'était quoi comme débat? C'était un faux débat, oui. Un faux débat. Même pas accéder aux conclusions, même pas à ces cahiers de doléances, tout ça.